me suis trompé de scène. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir la MTV2. 21h, 23h. Une horaire un peu particulière, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être là et de vous stream un petit peu de laideur. Et en plus, juste après moi, si vous avez vu le programme, bah, c'est la deuxième de Yellow Star qui va stream jusqu'à normalement 2h du matin, si je dis pas de bêtises. Donc, un vrai programme là ce soir sur League of Legends en tout cas. Au niveau du ladder, au niveau de la ranked, j'espère que vous êtes motivés pour voir un petit peu de League of Legends. Et en tout cas, on va jouer sur le main account ce soir. On va essayer d'aller attraper le challenger. On va aller le titiller. Et j'espère que ça va bien se passer en tout cas. Je suis sur l'IRC comme d'habitude, @dogby. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Et comme d'habitude, sur le Facebook, sur le Twitter, vous pouvez interagir en direct avec le stream grâce à Twitter et grâce au hashtag dogby. Et puis, bah, on va pas tarder à partir. Hein, on va pas tarder à partir. On va passer sur la bonne scène. Hop. Alors, juste à côté, hein, y a la TV 1. Ça devrait pas tarder à s'arrêter. Ne vous inquiétez pas. Ça devrait pas tarder à s'arrêter. Donc, j'espère que ça va pas tarder à s'arrêter. Tu streames combien de temps? Là, 3 heures. Mais eux, ils ont fini normalement. C'est sûr? Ouais, il faut qu'ils finissent leur game, je crois. C'est pas très grand ici, alors on vous a mis à côté. Ouais, c'est pas comme s'il y avait 3 étages. Merci Noxa. Bon bah pour ceux qui étaient là hier c'était un vrai gros stream en mode bonne humeur. Et là ça va être un peu plus sérieux parce que il faut savoir être sérieux. Et surtout parce qu'il faut il faut aller challenger, il faut monter ce compte challenger. On est au début un diamant 1, 7 points. Donc il va falloir aller titiller les victoires là pour pouvoir monter challenger. Mais il y a moyen, il y a toujours moyen. Et je vais pouvoir répondre, on veut ta Riven. Ah, je vois qu'il y en a qui étaient là hier. En tout cas, pour ceux qui ont raté le stream d'hier, je vous invite vraiment à aller le regarder sur YouTube. Je l'ai posté sur YouTube hier soir. Donc là, normalement, il devrait être open en grosse qualité. Donc n'hésitez pas, vous avez vraiment passé 4 heures de pur kiff, quoi. Top here. Allez, on va demander le top. Je sais pas ce que je vais jouer pour le moment. Je suis 3ème pick, c'est plutôt bien pour play top. Ça nous laisse un petit peu le temps de voir les picks de notre côté et surtout les picks d'en face. D'être 4ème, 5ème pick, on a moins de chances d'avoir son poste. D'être 3ème pick, c'est parfait. Ça vous donne 2 héros de votre team, 2 ou 3 héros de la team d'en face, des points après du side. Et ça vous permet de savoir un peu quel top vous allez avoir besoin. Si vous avez besoin d'un top tanky, d'un top qui a du CC, d'un top qui a besoin juste de faire des dégâts. Donc ça, c'est plutôt cool, cette position là dans la Champion Select. Ouais, hier on avait joué Udyr, Riven, Rumble, Ryze et Kyle. Je crois que c'est ça, on avait joué ça hier. On avait fait une défaite, 4 victoires. Et j'ai fini d'ailleurs en privé, j'ai fini là. Il manquait une game sur le BO3, donc je me la suis fait juste après le stream. Et donc on est passé Platine 2. J'ai pas sauté malheureusement la Ligue Platine 2. Donc on va être obligé de se faire Platine 2, Platine 1, Diamant 5. Mais c'est pas grave, tant mieux, ça nous fera... Ça nous fera encore plus de games en platine, comme ça je pourrais encore vous donner quelques petits conseils sur le niveau platine. Un first pick de Thresh. Ça va tryhard, je pense. Akali en face. Je vais peut-être partir sur un Kha'Zix là, vu qu'il y a une Janna. Faut pas prendre des rôles qui sont kaitables. Kha'Zix il a la possibilité de jump. Et si j'esquive la tornade ou l'ulti. Et puis grâce au reset, de toute façon, il suffit que j'ai une assist et je pourrais rejump derrière. On va faire ça comme ça, je pense. Hop. En fait, ils sont un Kha'Zix. En plus de ça, contre Akali, ça tient plutôt bien. Ouais, ça me semble pas mal. Ok, j'ai déjà reçu quelques petites questions. Alors pourquoi ladder pro? Alors on appelle le ladder pro arrivé à un certain niveau, donc diamant 1 et challenger. C'est ce qu'on peut appeler du ladder pro. C'est arrivé c'est le par rapport au niveau en fait qu'on dit pro, pas par rapport à professionnel en fait. Yodogby ça va? Ouais nickel, un peu fatigué parce qu'hier on envoyait vraiment du lourd, il y avait beaucoup d'heures de stream. Et là je suis un peu posé etc et chaud pour faire quelques games. Et surtout pour vous donner un max de conseils. Est-ce que tu peux jouer un Jace pour moi s'il te plaît? C'est possible. C'est carrément possible, un Jace mid. Ce qui marche le mieux en ce moment, c'est Jace au mid plutôt qu'au top. Après au top il est tout aussi efficace. Ouh, un Udyr.
Salut, tu penses quoi de la performance de la team Millennium? Je suis assez déçu parce qu'ils avaient grave moyen de faire mieux. Après, voilà, je suis pas vraiment dans leur cercle, donc je sais pas quelles ont été leurs grosses erreurs ou leurs problèmes, mais en tout cas, c'est une vraie contre-performance, ça c'est clair et net. Donc je suis assez déçu. Je veux savoir si tu allais mettre sur YouTube le live avec Twix. Oui, sûrement, je l'ai récupéré. C'est vrai que je l'ai pas mis. Faudrait que je le mette. Oui, carrément, ça va être mis. T'inquiète pas. Tu es très orange. C'est parce que la caméra, il y a beaucoup de couleurs. Vous avez vu, même derrière, c'est orange. Je vais régler ça. Mais moi, j'aime bien être orange. C'est beau. Fais rêver, Dieu t'envoie du fat. Un petit listen top, ça te tente pas. Ça aurait été possible. Un petit listen top, surtout que c'est un héros qui a pas trop peur de se faire counter pick. Et puis contre Akali, c'est un pick qui est raisonnable. Alors je regarde rapidement au niveau des réglages si tout se passe bien. Yep. Ok, tout est nice. Quelle est ta réaction vu l'élimination? Bah voilà, je viens de l'expliquer. Un peu déçu par rapport à leur performance. Est-ce que tous les pros jouent en smartcast? Ça veut rien dire ça. Par exemple, t'as Froggen, qui est un très très bon joueur, qui lui joue avec aucun spell en smartcast. Jamais, jamais. Donc comme quoi, ça veut strictement rien dire, c'est juste une question d'habitude. Il y a certains spells que je préfère en smartcast, d'autres pas. Par exemple, le jump de Kha'Zix, ça m'arrive souvent de pas le mettre en smartcast, même si en ce moment je me suis habitué à le mettre en smartcast. Mais voilà, le simple jump de Kha'Zix, je préfère des fois avoir la grosse portée d'activer. Ça joue en rien. Après, il y a certains spells, c'est mieux de les avoir en smartcast quand même. C'est Dogby, merci de streamer. Que penses-tu du nouveau héros en production, Lissandra? Je suis jamais, jamais au courant. Je suis jamais à l'heure, moi, à ce niveau-là, au niveau patch, etc. Moi, j'aime bien laisser venir et dès que ça arrive, je peux donner mes impressions en direct. J'aime pas trop aller regarder les PBE, etc. Le spotlight. Une fois qu'on a le spotlight, on peut déjà avoir une idée, mais sur le PBE, tout ça, il n'y a rien de définitif. Donc, c'est entre guillemets de la perte de temps. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Après, c'est une petite vidéo, je pourrais la regarder et on pourrait la regarder ensemble. Et je donnerai mes petites impressions en direct. Tu ne trouves pas que le prix des chines est trop cher car je ne peux pas me permettre de dépenser 1820 RP pour un skin? Ah, des skins. Ah oui, le prix des skins, après, c'est un petit peu la seule manière pour Riot d'acquérir de l'argent. Donc voilà, après, c'est vrai que moi, je préfère attendre les skins. Enfin, niveau skin, je suis pas trop fan, moi, de toute façon. Mais je préfère attendre les skins en promo, pire, attendre qu'il y en ait un qui passe en promo, que d'acheter un skin à 975. Je trouve que c'est vrai que ça fait assez cher. Mais après, ça se comprend. Ça se comprend vu l'engouement qu'a pris League of Legends. Mais c'est surtout le prix des pays des héros en fait, moi qui me choque. C'est même pas le prix des skins. Après, le prix des skins, c'est un choix, ça ne change strictement rien. Mais c'est vraiment le prix des pays des héros. Qu'est-ce que j'ai pouvoir buy? On va starter l'exir. Bientôt, on ne pourra plus. Et ça, c'est tant mieux. Donc, si vous avez suivi un petit peu ce qui va se passer. La Red Pot va être nerfée au niveau de son prix, donc ça va être très compliqué de l'acheter level 1. Et les potions vont être maximisées à 5 maximum. On pourra pas avoir plus de 5 potions de vie sur soi. Donc ce qui fait que les starters vont vraiment, vraiment se modifier. J'attends ce patch avec impatience en tout cas. Comment me conseillerais-tu de jouer Sion en solo queue, surtout est-ce que c'est vraiment viable? Je pense que ça peut être viable au niveau par exemple bronze, argent, gold. Je pense qu'un Sion AP mid peut être totalement viable parce qu'il peut créer la surprise. Il a une manière de dépush assez rapide et assez simple. Il peut décaler, il a un stun direct, donc c'est assez simple de jouer avec. C'est pas comme par exemple une Morgana où la botlane elle va attendre que tu places ta cage avant d'y aller et le Sion ils sont sûrs que ton stun il va passer donc le move va être beaucoup plus simple. Donc comme vous voyez il y a Bob. C'est dur d'être quand on a envie de jouer sérieux, c'est très très dur. Il y a beaucoup de monde autour de moi. Go Wolf. Je vais faire les loups là avec l'Orianna. Je pense pas qu'ils ont une veille vu leur composition. Ils ont pas réellement de quoi catch. Je prends le Q spell.
C'est bien, elle me laisse full XP. Ça, c'est cool. Et en plus, ça, elle a pris le shield. Donc là, elle m'a mis plutôt bien. Ça va être quoi au top, donc? Avec une Akali. Ok, pourquoi pas. Faire gaffe au petit gang du dire à la Jaward. Est-ce que je prends mon jump? Ouais, je vais prendre mon jump. C'est possible que je me fasse gank. Bon, elle aussi elle a up 2. Elle a dû faire les races. Udyr, ça fait assez mal hein, avec double buff early game. Je vais quand même claquer une petite pote. Le problème de ce starter hein, qu'a Akali, c'est comme les Rumbles, c'est qu'elle va jouer vraiment sur le sustain. Ça va être très tendu de suivre. Bah après, si j'arrive à free farm, arriver à un certain moment, je pourrais vraiment trade. Jarvan qui a envie de tenter un gank, c'est pas une mauvaise idée ça. Surtout que le Udyr n'a pas l'air d'être là. Non, il est parti. Bon, on va farm alors. Je peux jouer avec les bush, donc ça va éviter un petit peu le poke d'Akali. Si elle vient dans le bush, elle va prendre tellement cher, donc c'est pas rentable pour elle. Donc le but, c'est vraiment de rester donner le moins de vision à la Akali. En plus ça push, donc là je suis bien. Après elle free farm aussi, ça c'est sûr. En tout cas moi je suis vraiment bien là sur la phase de lane. En max CLZ bien évidemment. Avec Kha'Zix, c'est assez simple de farm sous la tour, donc c'est pas très grave de se faire push au final. Hop, deux potions de claquer, je tiens plutôt bien, j'ai bientôt atteint le level 6, après j'aurai vraiment du free sustain avec le Z. D'ailleurs je vais aller sur une tier je pense. Je vais aller sur une tire comme ça je pourrais vraiment bien tenir avec mon sustain. J'ai envie d'économiser un peu de mana, j'ai pas trop envie de spam mon Q spell. Je vais push et je vais back, je vais chercher ma tire comme ça on va pouvoir commencer déjà à la charger. Je lui montre pas que je back. Je donne l'impression que je suis encore là. Pouvoir prendre une ward en même temps. J'hésite à prendre mes boots. Dur. Non, je vais pas prendre mes boots. J'aurais pu, mais après j'aurais été vraiment. Ça aurait été trop risqué par rapport au Udyr, il aurait vraiment pu venir me gank assez simplement. Donc je préfère avoir un peu de vision pour essayer d'anticiper les moves. Udyr c'est pas un très... c'est pas un ganker qui gank facilement, mais s'il arrive à t'attraper c'est... c'est Bagdad quoi. Donc c'est un ganker qui est vraiment là pour counter gank, et là il est très efficace, ou alors pour vraiment jouer sur le manque de vision. Donc une ward ou deux c'est pas trop contre un Udyr. S'il prend pas trop de kill en early game, après ça va. C'est bien la lane qui push pour aller warder. Faut attention au lane gank aussi avec un Udyr. Donc là il peut très bien être dans le deuxième bush. Pour farmer la tire bien évidemment. Ah bah il est au mid de toute façon, là je viens de le voir.
Donc là on va avoir Free Sustain avec le Z. Elle est partie sur un revolver, elle a toujours ses 9 potions. C'est vraiment différent de jouer un Kha'Zix mid ou un Kha'Zix top. Ah, je pensais qu'elle allait taper l'agression, j'étais prêt. Mais non, elle fait juste du poking. Au niveau du farm, je suis pas si mal, on est 51 contre 51. Donc voilà, elle a juste beaucoup de potions, un peu plus de sustain. Il n'y a pas eu énormément de move sur le top. Donc jouez beaucoup avec le bush hein, dans ce genre de situation. Envie d'agresser là, Kelly, ça se voit quoi. Donc là, ça va repush dans mon sens. Au final, c'est pas si mal que la lane soit push. Tout ce que je fasse gaffe aux agressions, mais regardez là, je peux vraiment lui faire assez mal à distance. Donc c'est pas si mal de laisser push. Elle va mourir. Elle a fait son erreur. Puis il y avait l'arrivée de Jarvan, donc même pas besoin de flash out, j'aurais pu flash out pour gagner encore un peu de temps. Mais là elle a fait son erreur avec l'arrêt de pot. Ça a pu faire la différence. Donc des fois c'est bien d'être passif, de laisser penser à son adversaire qu'il a l'avantage. Bon certes elle l'avait quand même. Et derrière profiter de provoquer l'erreur en fait. C'est du total bait, tu provoques l'erreur. Au final là je commence à prendre un peu d'avance au niveau du farm. J'ai eu le kill en plus. Donc vraiment un bon move hein. Vu mon starter tir, c'est vraiment une bonne chose. Je vais prendre un peu de sustain aussi de mon côté. Elle a fait son erreur là, Kali. Et 62 CS. Là le problème c'est niveau bot lane, ça a l'air de prendre cher. Après c'est un peu normal hein, Caitlyn qui domine la Ashe en face de lane. Ah dommage, l'idée était bonne. Il a raté son combo. Une cible isolée contre Kha'Zix. Ouais, ça fait trop mal. Après c'est assez facile de snowball avec Kha'Zix. Dommage là que ma team est se met un petit peu dans le mal tout seul. Parce que là Luigi il a pas fait beaucoup de cal. Parce que moi là ça m'a mis vraiment bien ce move. Là je sais pas pourquoi elle a essayé de trade hein, ça. Enfin, je pense que là c'était plus un risque contrôlé. Histoire de se dire là je suis mal, je vais pas me laisser faire. Mais ça a été beaucoup trop agressif de sa part. J'ai toujours ma red pot d'activer, elle aurait pu au moins attendre qu'elle se termine. J'ai pas compris. Mais là ça m'a mis encore mieux. Ça c'est le genre d'erreur qu'il faut pas faire. Moi je sais pas ce qu'elle cherche. Ah oui, il y a eu dire, ok. Je me disais je sais pas ce qu'elle cherche. Oh le flash in. Udyr qui a plus de flash. Faudrait utiliser le temps que Udyr passe au top pour faire par exemple un Drake hein. Ils auraient pu, là ils avaient le mid push, la bot push. C'est pas grave. J'aurais dû poser ma ward aussi de mon côté, j'ai mal géré. Je pensais être safe. Mais là ça donne pas énormément d'impact, ma lane était push au moment où je suis mort. Donc je vais pas perdre grand chose, c'est juste que là j'ai pas beaucoup de gold. Je meurs pas au bon timing en fait. Ah dommage. Ah le Drake qui a été fait, mais il a été fait par qui? Il a été fait par eux au moment où Jarvan est mort contre Janna alors. Niveau farm j'ai toujours 10 CS, un peu plus de 10 CS avec tout ça là que je vais récupérer. Il faut que je ward absolument.
Dès que j'aurai mon level 11, ça va être free move. Parce que surtout au mid, je vais pouvoir décaler. De toute façon, le top, je suis censé le maintenir push là, avec l'avantage que j'ai, entre guillemets. Je suis censé le maintenir push. J'avais même pas vu que vous avez fait le Drake. Ouais. Prendre la tour. T'es mort. Elle prend des risques, hein, mais ça paye pas. Le bush, très très important. Jouer avec les bush sur la top lane. Là par exemple, sans le bush, j'aurais été sur la mid lane, j'étais mort à 100%. Mais là, vu que j'ai un bush, je peux vraiment reprofiter de mon passif. Je peux aussi temporiser le temps de mes CD. Et vraiment la bait quoi. Alors, faire une grosse erreur. Une grossière erreur. La tour qui va tomber. Je vais faire mon brutaliseur. Ouais. Une petite ward. Des poutes. Et on est reparti. Bientôt level 11. Hein. Un creep sous. Ah d'ailleurs, la tour m'a même pas fait up. Pas juste. J'allais prendre les wolves. Il me faut absolument level 11. Voilà. J'arrive mid. Et Naro qui touche. Continue bro, continue. Ça slow. Ah, dommage, wardé. Oula la Diana, recule, recule. J'arrive, j'arrive. Ulti, t'as pas. On va essayer d'intercepter ça. Fuck! Die! Non! Putain! Ah! Ah rien quoi. C'est dommage. Là j'allais récupérer double buff. J'aurais pas dû quoi, j'aurais pas dû faire le trade, mais j'étais tellement bien. Putain, j'aurais pu faire le doublé là. Je faisais doubler là, je récupérais le double buff, je faisais perdre double buff, hein, c'est vraiment pour ça, surtout pour lui faire perdre plus que pour les avoir, vu que j'avais déjà un buff sur moi. Ah, pas de chance. Il y a la réussite aussi qui prime. Sur ce coup là, j'ai pas eu de réussite. Non, c'est pas vraiment du grid, hein. C'est juste que j'ai pas eu de réussite. Ça s'est passé vraiment à une auto-attaque près. Après ouais, j'aurais peut-être dû essayer de reculer avant. Mais j'avais vu que j'allais avoir mon Z. Donc c'est pas vraiment du grid. Ça s'est passé à 0,1 seconde de mon Z. Là, pouvoir vraiment zoner quoi. Oh là là. Ouais, c'est chiant. Ce double kill, ce kill lui la met trop bien. Elle a pu finir son pistolet. Elle a renversé la situation avec entre guillemets ce petit coup de chance quoi. Ce petit coup de réussite, c'est pas de la chance, c'est de la réussite. Pas pareil. Ça aurait pu être dans l'autre sens, ça aurait pu aller de mon sens. Et là c'est moi qui aurais fait la diff. C'est dommage que tous ces petits avantages que j'ai eu en early game, je suis en train de les, je vais les payer maintenant. La situation s'est retournée. J'ai mal géré mon itemisation surtout. Parce que là, je suis obligé d'attendre d'avoir assez pour une BF. Donc ça fait que j'ai 1200 gold qui servent à rien.
Ouh, c'est quoi cette ulti? Oh, c'est pas bon ça. Ouais, elle a fail l'Orianna sur son ulti. Parce que je pense qu'elle mourrait pas si elle réussissait son ulti là. Ça va, la Ashe a plutôt bien farm. En tout cas, elle a à peu près le même farm que la Caitlyn. Donc là, normalement, le late game il est à nous. Hein. Le late game il est carrément à nous. Après, est-ce qu'ils vont pas réussir à snowball l'avantage là qu'ils viennent de prendre? Avec le deuxième dragon surtout. La Kali qui peut logiquement faire des bons décals. Ah, j'aurais pas dû faire cette action mid quoi. J'aurais dû me contenter du kill sur la Janna, laisser partir la Kali, mais. Ça a été une erreur de ma part. Après, c'est la solo queue, on a toujours envie d'en faire un peu plus. Sauf que ça pouvait passer, elle est vraiment restée à 1 HP. Ouais, je commence à avoir un peu de gold. Sûrement aller mid, ouais. C'est pour ça que je vais direct mid aussi, essayer d'anticiper le move. C'est chaud, vous savez que vous êtes 3 contre 2, les gars. Bien, ça temporise. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Oh, mais t'es sérieux quoi? Mais joue l'auto, s'il te plaît. Merci, Orianna. Parce que là, deux fois d'affilée, ça aurait été dur. Ça aurait été dur mentalement. Deux fois d'affilée la Kali. Au final, la Janna qui a flash in et qui m'a redonné mon reset. C'est dommage, ils ont engagé un tout petit peu trop tôt. Après, d'un côté, ça les a fait grid parce que Ludir a pris deux coups de tour assez gratuits. Donc d'un côté, je sais pas si c'était une bonne chose d'engager aussitôt. Ou ils auraient attendu peut-être 2-3 secondes de plus, j'allais arriver avec mon jump. Ah, ça touche. Allez, ça serait bien ça. Merci. Je vais voler son raid, ça c'est cool. Il voulait sa race. Merci, le pauvre. Et il y a Kelly qui est bot. Faut qu'on y aille. 5v4. Ah ouais, mais ils sont low. Ok. Ah, ça grille là-bas de leur côté là. Go go. Je suis en train de bloquer. Je suis lent, j'ai pas de boots. Je suis tellement lent. T'as un ulti Jarvan? Non. Faut go prendre la tour alors. Elle est vraiment serrée un peu cette game. Elle est vraiment serrée, mais je pense qu'on devrait se regrouper et jouer en 5 contre 5 là avec la road H. On devrait pouvoir faire quelque chose. Je vais rester. Aïe, le trap! Ouh, j'ai failli le prendre. Oh, c'est pas bête ça.
Je vais go top. C'est wardé, sérieux. J'ai un peu de stuff là. On va pouvoir finir la BF. Ah, il peut la tuer en 1v1. Ouais, c'est bien ça. Ouais, non. Oh lol, sérieux, laissez-moi back quoi. Elle, elle est morte, je pense. Non. Non, non, la forêt elle se regroupe vraiment à 5. Y'a le Drake. Oh, je l'ai fait flash. Alors qu'il y avait eu dire. What the fuck? Y'a Kali ou quoi? Ah, je suis mort. Je sais pas, ça passait pas de toute façon. Je pense qu'on devrait se regrouper maintenant. Et je pense qu'on pourrait faire la différence. La Kitlin en plus elle est top. Ah, s'ils arrivent à faire un beau move au Drake là. Y'a pas de flash sur la Diana. Oh, c'est la Kali qu'il faut focus. C'est bien ce que fait Thresh. La Thresh il fait un gros taf de zoning. Ah là les dégâts. Oh la roquette est ratée. Oh la Diana qui va faire mal. Elle va faire très très mal la Kali. Elle est trop free. Gagne du temps, j'arrive. Non, j'arriverai jamais à temps. C'est du 4v4, ouais, pas du 5v4. J'ai de flashing. Non, le Drake, je pense qu'il est mort, ils l'ont fait. Je vais prendre la tour. Ouais. Akali did it. Avec une pique sur Akali là, en teamfight, en 5v5, je pense qu'on win. Après, faut vraiment voir ce que le taf de la Kate. Putain, il m'embête lui. Le taf de la Caitlyn, c'est ça qui m'impressionne. Elle a 229 CS, elle a fait que free farm au top. Donc faut voir son placement en teamfight. Mais je pense que si la Caitlyn fait une erreur, Akali ça va pas être un problème. C'est plus la Diana et la Kate là. Parce qu'Akali on lui met une belle pink en face en fight. Le Thresh il a vraiment de quoi la zoner avec son grab. Alors que la Diana avec son Zonia ça va être un peu plus compliqué. $1400. Tiens, je l'ai même pas fini de la maxer ma... Ah, j'y suis presque. Ma Muramana, maintenant qu'il fait des dégâts physiques, je vais la tester sur Kha'Zix, j'ai jamais testé depuis qu'elle a été modifiée. C'est tant mieux pour nous ça le 5v5 hein. Ouais ça fait... ça dit là. Oh lol. Bah ouais c'est ça Kha'Zix. Voilà Thresh, bon gros taf. Ah
What the fuck? Elle a réussi à placer son spell avant moi. Ah, oh, that game, not for me. Oh putain, non, mais sérieux, c'est quoi cette game? Elle est pas pour moi du tout. En tout cas, on a vu qu'en teamfight là, on est vraiment devant. Ces choses qu'ils font là. Pour une tour, on va perdre un baron. Je vais aller sur full damage. No need. Hop. En tout cas, le Thresh a fait vraiment un gros taf sur ce fight. Je vais des push bots, ça me semble risqué au niveau du Drake. Que Janna y va. Au niveau du Baron. Oh, pourquoi t'as eu peur? Tu perds du temps. Ouais, faut pas split contre eux. Faut pas split contre eux, tout simplement. Faut regroup, regroup, mettre des arrows, engage, regroup, mettre des arrows, engage. Wait, Ori. And ulti, Ori. Ils vont vouloir faire quelque chose, hein. De toute façon eux ils sont forcés d'engager quand on est en 5v4. Parce que leur but de leur composition c'est de faire la différence et ensuite d'engager un teamfight. Là la Kali l'a très bien fait sur... Putain j'ai toujours pas ma Myrmana. La Kali l'a très bien fait sur la Orianna. Et le problème c'est que nous on est obligé de patienter là. Elle a son ulti, ok. Can try. Ah, elle zone bien avec ses trappes, hein. Il y a Kelly bot. Arrow, 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 arrow. Never give up. Oh, oh là là. Je suis rentré dans les problèmes là. Il y a une Akali qui va venir dans mon dos. C'est pas très grave. Si elle meurt, c'est worth it. Bien joué la pink. Mettez-vous devant. Voilà, c'est parfait. Voilà le teamfight parfait. On se regroupe, on engage. Et normalement, il n'y a aucun souci. Pas besoin de speed push, pas besoin de les laisser faire la différence. Et voilà, 1 pour 5. Ça me semble le réglo. Il me faut des boots, hein. Il me faut des boots, mais bon. J'aurais bien aimé avoir un peu de pénétration d'armure. Ok, ok, ok. Faire gaffe au Nashor. Je dois reprendre des boots. Prendre des homeguard, c'est bon, il en a. On peut. Bien, wesh. Bien, wesh. Bien joué! Perfect.
J'ai vraiment pas eu de chance cette game, mais bon. La Muramanak a bien deal quand même. Hein. La Muramanak a vraiment piqué sur Steam Fight. Petit quadruplé, ça fait plaisir. Go finir tout simplement. GG. Grosse game. Grosse game du coup là avec le Kha'Zix. Je pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs. Je pense avoir été plutôt plutôt stable dans mon jeu. J'ai grid une ou deux fois. Mais j'ai été plutôt stable. Dommage que j'ai pas eu le pentakill, ouais. Mais j'étais plutôt stable. La phase d'early game compliquée contre une Akali. Ensuite, j'ai commencé à avoir un peu de stuff grâce à l'erreur d'Akali. J'ai pu snowball dessus. J'ai renversé tout au niveau de mon. Enfin, quand j'ai grid au niveau de la mid lane et que j'ai donné mon kill sur Akali pour essayer de lui récupérer double buff. Après, bon, après voilà, on a une grosse mobilité avec Kha'Zix. Toujours la possibilité d'aller attraper un kill par-ci par-là. Et là, ça a fait totalement la diff. Fallait juste bien guider l'équipe en team. C'est pour ça que je me suis permis de donner des conseils dans le chat. Parce que j'avais peur que ça continue de split push contre Akali, Diana qui était un peu feed. C'est assez compliqué. Par contre, Akali, Diana dans un team fight en soi, ça a pas beaucoup d'impact vu le CC qu'on avait. Donc avec la Road Ash, avec le Thresh qui a fait quand même une énorme game. Jarvan qui pouvait bump, Orianna, etc. Donc il fallait juste se regrouper. On avait le combo Jarvan-Orianna et après moi j'étais free DPS, là vous l'avez vu sur ce dernier teamfight. J'ai fait un quadra kill tranquillement. Donc ça va. Combien de points j'ai gagné d'ailleurs? J'étais à 7 points, 13. C'est assez réglo pour Diamant 1 de gagner plus de 5 points sur une victoire en Diamant 1. C'est qu'on a un bon ratio de victoire-défaite. Là j'ai gagné 6 points. C'est réglo. Donc je vous dis à tout de suite, hein. Juste après la pub, on relance une game. Et n'oubliez pas, en Diamant 1, c'est totalement différent de toutes les autres ligues. On gagne énormément moins de points par victoire pour que ce soit un peu plus compliqué pour arriver Challenger. A tout de suite. Allez, de retour sur le stream jusqu'à 23h. C'est vrai que je suis un peu plus calme que d'habitude, hein, mais c'est vraiment, j'ai un peu mal à la tête. Il y a eu énormément de bruit aujourd'hui. Et donc j'ai un peu mal à la tête. Et surtout j'essaie de préserver ma voix pour les LCS, bien évidemment demain et après-demain, les LCS que je commenterai en duo avec Twix en binôme.
Donc j'essaie de préserver ma voix. C'est pour ça que je suis assez calme là, parce que normalement avec ce quadruplé là je serais devenu fou. Mais voilà, puis on a eu une grosse semaine de stream, j'ai eu énormément d'heures et voilà, au moins quand je suis pas bien, il y a toujours 2-3 personnes. Donc là vous voyez Adèle et Daichi pour venir me réconforter. c'est un mensonge. Il hein. Y a toujours une bonne ambiance ici, mais c'est vrai que je suis un peu malade. D'ailleurs vous avez pas un effet rageant? Je rigole, il a mis vidéo. Ouais, pour une fois. Ouais, faudrait que je prenne peut-être quelque chose parce que j'ai un peu mal au cerveau. On va lancer une game. On lance une game? Vas-y. On lance une game? Vas-y. Allez, on lance une game. Non, je viens de faire un quadra kill là. Non, 20 secondes, 25. C'est le mec qui parle en gardant la bouche serrée pour pas qu'on puisse lire sur les lèvres et tout. Ouais, ouais, c'est fait. Toi, t'es costaud! Je prends la webcam, hein, parce que sinon. Ah oh, putain! Bon, allez, on va répondre à des questions. Bon jeu que tu fais, penses-tu qu'il est mieux de se focaliser sur les CS, le deny ou l'agression? Bah, tout dépend de ton match-up, tout dépend de ton early game. Je pense que le mieux, si t'es pas en confiance, c'est de te focaliser sur les CS. Que j'ai fait là par exemple contre le match-up contre Akali, je me focalisais sur les CS et dès qu'elle faisait une erreur, je prenais l'agression quand je savais que j'avais l'avantage, sinon je fuyais. Et ça a plutôt bien marché. Mais tout dépend après si t'as un héros comme Darius. C'est un héros comme Darius. C'est un héros comme Darius, c'est que t'arrives à prendre un kill en early game. Après, il vaut mieux que tu zones ton adversaire, puisque ça va être très compliqué pour le retuer, vu qu'il est très très safe. Donc, il vaut mieux que tu le zones, tu freeze la lane et t'essaies de le deny au niveau de l'XP et du farm. Et dès qu'il s'approche, tu mets une agression. Quitte-toi à perdre quelques CS, vaut mieux que tu le deny au niveau de l'XP. Et comme ça, dès qu'il fait une moindre erreur, tu peux le retuer. Donc, tout dépend des héros. Après, Kha'Zix, c'est pas un héros super avant son level 11. Il a une bonne tenue de lane, vous avez pu le voir. Il a beaucoup de mobilité, mais voilà, dès qu'il arrive level 11 et qu'il a son jump amélioré, tout va très très bien. Pourquoi tu ne lis pas l'IRC global? Si, je regarde l'IRC de temps en temps hein, quand je suis en game. Après là, je suis assez concentré sur mes games, donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas tilté, mais j'ai l'IRC juste à côté de moi, j'ai double écran. Janatop contre toi, la même personne me dit, Janatop contre toi. Non, c'était une Akali, la Janna était mid. Mais Janna top, ça joue c'est très efficace aussi, donc ça aurait pu se faire Akali mid, Janna top. Bon là, ça a été Akali top, parce que Akali au mid c'est un peu moins bien. Elle a besoin vraiment d'avoir de l'espace sur la lane, donc le top c'est un peu plus large, ce qui lui donne un peu plus de possibilités. Malheureusement, il y a les bushs qui contrent un peu la Akali et pas Janna, parce que Janna peut avoir la vision dans le bush avec son Q spell. Donc voilà, moi vraiment le bush au top m'a mis vraiment vraiment très très bien. Yo mon petit Dwagby, pourrais-tu me dire ce que tu penses d'Akali et Fizz? Et peux-tu les sortir? Fizz, j'aurais bien aimé le jouer, mais j'attends de l'avoir sur la Smurf, parce que je suis vraiment pas sûr de mon style de jeu avec Fizz. C'est plus un héros que j'ai envie de train. Après c'est plus pour le plaisir, parce que voilà, ça n'apportera rien à mon jeu en team, vu que c'est un héros plutôt axé mid. C'est pas comme Diana. Diana, je peux la train au mid, me faire plaisir, mais en plus de ça, ça peut rentrer dans mon pool de champions pour le top. C'est pour ça que Diana, je me permets même de la jouer sur ce compte là, etc. Je me fais plaisir. Mais le Fizz, j'attends de l'acheter sur la Smurf, un peu comme les autres héros. J'ai testé le Udyr hier, ceux qui n'étaient pas là, j'ai vraiment vraiment surkiffé la refonte. J'ai testé Kayle AP mid. Bon, je suis un petit peu en retard parce qu'elle commençait à être nerfée, mais elle reste toujours aussi utile. Puis ça reste sympathique. J'ai testé un Rumble top. Voilà, on s'est rendu compte que le héros était juste trop fort pour. Il est juste trop fort. Faudrait le nerf un petit peu. Mais je pense que le starter va le nerf déjà. Parce que ce qui le rendait fort, c'est ce starter 9 potions de ward où tu te dis en early game, je vais pas l'agresser. Alors que logiquement, t'es censé avoir l'avantage contre un Rumble en early game, vu qu'il a pas, il a des grosses CD. Et puis, j'avais testé qui? Akali, Janna. Non, Akali. Kyle, Udyr. Mais pourquoi Akali? Pourquoi je dis Akali? Udyr, Kyle. Udyr, Kyle. J'ai testé qui? Rumble. C'est qui les deux autres? Je sais plus.
Je sais plus. Putain, j'ai vraiment pas de mémoire, je suis vraiment fatigué en fait. Mais bon, en tout cas, ouais, pour le Fizz, je compte le jouer sur la Smurf de la semaine prochaine. Là, j'essaie un peu de me focaliser pour monter un peu le compte au moins aux alentours de 50 points. Après, je pense que la semaine prochaine, je me referai de 2-3 créneaux sur la Smurf. Donc, avec plaisir, je jouerai Fizz. Quel est ton build sur chaîne? Je vois de plus en plus de Trinité. Est-ce que c'est viable? Ça a toujours été viable sur chaîne, la Trinité. Le seul problème, c'est qu'il faut savoir si tu veux taxer Tanky ou si tu veux être axé DPS. Enfin, aide DPS, parce que c'est pas réellement un DPS chaîne. C'est plus un support DPS. Mais faut. Ça tout dépend de ton style de jeu. Si t'es vraiment vraiment bien et que t'as déjà un item tanky, tu peux te permettre d'aller sur une trinité. Après, moi, ce que je te conseille, c'est d'être vraiment l'aspect gros tank avec la Warmog, la Sunfire, un Randuin, un Solaris, pourquoi pas pour la CDR. Et puis voilà, ça va tout seul avec chaîne. Des conseils pour Taric Top, assez compliqué, mais c'est vrai que Taric Top, ça s'est vu un moment. Je te conseille de le jouer AD déjà si tu veux le jouer top, parce qu'en AP, tu vas te faire défoncer. Donc ça va être très tendu, donc je te conseille déjà de le jouer AD. Franchement, il y a tellement mieux que Taric. Mais joue le tanky AD avec de la réduc CD. Que penses-tu de Rammus et de Malphite AP et Malphite AP mid? Que penses-tu de Rammus et de Malphite AP mid? Malphite AP mid, ça se joue. Rammus, non, ça se fait pas. C'est pas du tout viable. Mais Malphite AP mid, c'est bien pour les engage. Donc par exemple, contre des compos qui poke ou contre des compos qui ont besoin de faire la différence ailleurs. Donc des compos qui veulent catch, des Thresh, des Akali, etc. Bah, Malphite AP, c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment forcer un fight. Et en plus de ça, vu que t'es AP, tu vas envoyer un gros burst. Donc c'est pas très grave si tu meurs après, mais tu vas envoyer un gros gros burst qui va mettre une grosse pression. Et donc les compos poke, elles auront pas le temps ni de poker parce que tu vas engager direct. Et en plus de ça, elles auront pas le temps de kiter parce que tu vas mettre tellement de dégâts après que tu meurs ou que tu meurs pas, ça c'est pas très grave. Et le départ de Dieu, tu le vis comment? Bah plutôt bien, je suis toujours en contact avec lui, on s'appelle à peu près tous les 2 jours. Et de toute façon, il y a une interview sur millennium.org, auquel je fais un peu le bilan de tout ce qui s'est passé. Et au final, je le prends plutôt bien. Tu as encore une Akali? Je vais ressortir un Kha'Zix. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une Akali. Prendre un Renekton cette fois-ci. Je préfère prendre un Renekton puisque là, Zac, qui va suspect, il va être, à mon avis, un peu happé. Et avec une Tristana, on a déjà l'apport, on a assez de dégâts pour le moment. Donc je préfère partir sur un Renekton tanky, surtout que je connais pas mon match-up en face, donc c'est plutôt un pick safe. Que de pick par exemple une Irelia et derrière me prendre Renekton en face, ça va être intenable. La Akali, elle peut être mid, donc c'est toujours une possibilité. À mon avis, elle va être top. Renekton, ça se débrouille plutôt bien contre Akali. Donc à mon avis, le pick parfait vu cette situation. En plus, pour esquiver les ganks de Lee Sin, c'est plutôt bien Renekton. Donc ils ont une compo assez mid-game là, avec la Akali, Lee Sin, c'est assez early mid, Lulu, MF. On va voir ce que c'est leur last pick. Ça va être leur AP mid va vraiment déterminer leur potentiel, parce que là ils ont que du catch. Ah, GP, ça va être un GP top contre moi avec mon Renekton. Ça a été un counter pendant longtemps, GP à Renekton, après GP il a subi des nerfs, donc je sais pas s'il est toujours aussi efficace contre Renekton. Donc au final ça va être une Akali mid. Donc là, il y a une tentative de counter sur Renekton. On va voir si ça passe. C'est vrai que le match-up GP, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas croisé. D'ailleurs, je vais prendre de l'armure. Je vais aller full armure, je pense. Même sur mes. Problème, c'est que si je vais full armure, au final, c'est un GP mid. Parce que GP mid, ça joue aussi. Et que derrière, je me tape une Akali top. C'est tendu. C'est très tendu. Ils ont même pas de CC. Ils ont que du slow. Donc Lee Sin slow, MF slow, Akali slow, GP slow, Lulu slow. Donc 5 slow, pas de réel CC. Ces maîtrises sont vraiment très efficaces. Celle-là, inépuisable. Réduit de 15% l'efficacité des ralentissements. Je vous conseille de la prendre quand il y a autant de slow. On n'y pense pas assez. Elle est beaucoup plus intéressante dans ce cas-là que par exemple la ténacité. Et qu'est-ce que je voulais regarder? Est-ce que je pars sur armure et je prends un risque, mais par contre ça peut m'aider en phase de lane si j'ai GP, ou est-ce que je prends aucun risque et je prends un peu DRM? Je peux avoir 18 armures, là j'en ai 13.
13 pour 11 RM. On va rester sur avec la RM. On sait jamais. Hein. Ils vont mettre sûrement une Akali top. Pas envie de prendre des risques. C'est de la solo queue. Allez, on est parti. C'est vrai que je suis quand même bien orange hein, sur cette webcam. Pourquoi tu n'es plus dans une team pro? Parce que ma team a disband. Ma team a disband. Et, de toute façon, là, il y a des petits projets qui se préparent. On va voir ce qu'il en est. Je vous tiendrai au courant de toute façon dès que ça se concrétise. Pour l'instant, c'est des petits bruits de couloir, on va dire. Mais vous inquiétez pas, il y aura des news assez rapidement. Franchement, merci, ça fait longtemps que j'avais pari comme ça. Ton dire hier était magnifique. C'est vrai qu'hier, on a vraiment passé un super moment. Vu que c'était 4 heures, en fait, je m'étais mis dans l'ambiance où. Quitte à stream 4 heures, on allait faire 4 heures de full kiff. Et franchement, ouais, ça a été une grande réussite hier. J'ai bien kiffé aussi. Et là, par contre, je suis un peu plus posé. Déjà, je suis un peu mal à la tête. Je suis un peu malade, je pense que ça s'entend à ma voix. Et surtout, j'essaie d'économiser ma voix pour demain, les LCS, assez important. Mais en tout cas, je vois que vous êtes très très nombreux sur stream, ça fait très très plaisir, vraiment, 4500 personnes. Toujours aussi nombreux à me suivre, et ça, c'est vraiment le surkiff. N'hésitez pas aussi à me laisser des petits messages sur Twitter quand vous voyez, bah, par exemple, le quadra kill. Là, je suis assez déçu de ne pas avoir eu un message pour le quadra kill. Hop. Bon, je pense que ça, c'est bon. J'ai répondu à des questions aussi, j'en ai quelques-unes, hein. Il y en a déjà plus de 104 questions sur l'IRC. Oh là, vous aimez bien me poser des questions. Vous aimez bien, hier on est monté à 283 questions à la fin après ça, on a quand même stream 4 heures hier. On était monté à 283 questions. C'est Zogby qui pense de Morgana en ce moment. Il y a trop d'héros qui peuvent jump out. Trop d'héros qui peuvent la repousser, donc par exemple Janna, par exemple Lee Sin. Donc après elle a le Black Shield, mais Black Shield fait pas tout. Maintenant le Black Shield, on peut vraiment le faire tomber assez rapidement par rapport à avant où elle était assez safe quand elle avait son Black Shield. Elle a une bonne tenue de lane, Morgana, elle a des bons, elle est assez bonne en teamfight, mais le problème c'est qu'elle a des trop longs CD. Ce qui fait qu'une fois que tu poses ton ulti, ta cache, t'as plus rien. Et en ce moment c'est pas le top, c'est pour ça que. Les héros comme bah, Lux, comme tout à l'heure on a vu une Orianna avec des courts CD, c'est beaucoup plus efficace. Mais si t'aimes bien Morgana, je te conseille de jouer Lux, c'est beaucoup plus. Déjà plus drôle à jouer. Je sais pas si c'est la même Akali du coup. Enigmatrix, je pense que c'est lui. Je pense que c'est la même Akali donc elle va être top. Donc j'ai bien fait de prendre un peu d'MR. Contre Colux, c'est assez fort GP en plus. Ouais, ça fait pas de dégâts, hein. Level 1 Tristana avec le passif peut-être. Non. C'était assez risqué de prendre le trade. Après, ils avaient fait claquer le flash sur le Lulu, ça aurait dû suffire. Bon, ils ont voulu tenter leur 2v2. Tant pis. Sinon, entre Squeeze et toi, laquelle est le meilleur en solo queue et en team selon toi? Mais c'est deux aspects totalement différents. Déjà, on joue pas du tout le même poste. Viens m'aider, bro. Viens m'aider, bro. Ah, c'est pas cool ça. Bon. Elle avait pas envie de m'aider. J'aurais perdu trop de vie si je les aurais fait solo. Donc au final, ah, bah, j'ai même pas fait gaffe. C'était Lee Sin mid et un GP jungle. Je suis vraiment endormi. Non, j'avais pas vu qu'il avait pas de smite GP. Moi, GP jungle, pourquoi pas. Franchement, il a des possibilités, il était assez fort à une période. Donc pourquoi pas. Après, c'est pas des gants qui font très très peur, je pense. Ouais, elle a fait les loups, elle va up 2 avant moi pour taper une petite agression. Ouais, push. Je vais prendre le double jump pour pouvoir m'échapper du gank. J'essaie de provoquer GP au top parce que j'ai pas envie qu'il aille par exemple sur la bot lane.
Moi, je pourrais, je pense, le maintenir au top. En tout cas, en early game. Donc, ça me dérange pas là de me faire gank pour le moment. Donc, pour ça, je provoque, je push, push, push. Et comme ça, la Lux, elle est assez tranquille. Parce que Lux contre Lee Sin, je pense pas qu'elle a un match-up favorable. Moi, je suis plutôt bien. Donc c'est à moi de faire le taf. Pour forcer le GP à venir top. Et pour donc mettre bien ma team. Oh, tiens, j'ai raté le gros. Comme ça, après, Zac, il a pas forcément besoin de venir top. Et lui peut aller faire la différence ailleurs. Mais là, je vois que botlane, ça galère. Toujours pas de GP. Bon, après, en plus de ça, j'ai un peu de lifesteal avec mon Q spell sous fureur. Je peux maintenir les Q spells de l'Akali. J'ai même pas envie de la trade pour le moment, juste envie de la push 24 sur 24. Si je la trade, je risque de perdre beaucoup d'HP. Tout cas, elle a certains murs d'étoffe, hein. CS contre 25. Elle a un peu du mal à farm sous la tour. Pourtant avec Akali c'est assez simple. Donc je vais peut-être en profiter et continuer de push. Là je suis en train de voir. Je m'attends à GP là. Là je m'attends vraiment à GP. Tu en as claqué sa zone. Oh, je rate encore le gros sbire quoi. Au moins un problème avec ces sbires. Tiens, GP là-bas. Oh, tiens, elle a flash. Là, il n'y avait aucune raison de flash. Je pense qu'elle m'aime pas, tout simplement. Elle se rappelle la game d'avant. Je sais pas du tout si c'est la même Akali, du coup. Mais bon, ce flash-là, il était assez. C'est quelqu'un qui est en train de se stresser là. Quelqu'un qui est pas bien. Je vais essayer d'utiliser ça. En tout cas, là, avec beaucoup de potions, il me reste toujours ma red pot. Ah, je vais pas pouvoir. Ah, je voulais éviter ce coup de tour, quoi. Ah, elle va rater ce sbire. Nice. Est-ce qu'elle va back? Ouais, elle back pas. J'ai pas de ward au top. Là, je vais essayer de garder de la Fura. À moins que je fasse un bon trade. Elle a déjà son 6 aussi. Non, je crois que je vais back. Je vais aller chercher un peu d'HP. Je vais back. Pas envie de me risquer. Ah non, GP, quoique, il est bot. On va mettre la pression. Ah, dommage. On zappait. On va prendre une ping contre Akali en face de lane. C'est plutôt bien si j'arrive à bien la poser. Ouais, c'est la même Akali donc. Ça serait beau ça. Ça serait beau ça. Allez, vends-moi du rêve, Zach. Ils peuvent tellement le tuer au mine. Un CS à 43. J'ai envie d'appeler le Zac parce que là, surtout qu'elle a pas de flash, j'ai une ping donc je pense qu'elle est free kill. Le problème, c'est que
La botlane en a un peu plus besoin que moi. Du Zac. Ça c'est chaud. Je vais warder. Tiens, la ward ici. On va mettre la pression, on va continuer de push. J'ai plus pas l'air d'être décidé à venir top. Revolver sur la Akali. A réussi à forcer mon ulti pour le sustain. J'essaie de la zoner. Là j'ai ma fureur, j'en profite. L'ulti de Redicto, ça va, il est assez court quand même au niveau de son CD. Donc on peut vraiment se permettre de l'utiliser comme ça. 1 minute 22, je pourrais remettre une grosse agression avec. Elle a plus de potion. Va vouloir m'agresser, là j'ai plus de CD. Ah c'est bien ce petit décal bot lane là. Oh lol. Ouais, lol, c'est pas bon, ça va se retourner contre nous ça. L'ulti de Tristana qui enlève sur l'ulti de Lux quoi, alors que le catch était déjà fait. J'avoue que c'est assez assez rageant là. En 20 secondes, je pourrai bien régène avec mon ulti. J'ai tellement mal joué ma ping, je l'ai mis sur le 3 et je spammais ma touche et je me dis pourquoi ma ping elle part pas quoi. J'aurais dû la mettre sur le 1. Bon, en tout cas ça a suffi avec l'exer rouge. Et puis le fait d'avoir récupéré l'ulti, ça l'a un peu bait, elle s'y attendait pas. Donc c'est vraiment, l'ulti n'hésitez pas forcément à le spam avec Redicton, ça vous permet d'avoir beaucoup de fureur pendant une durée. Donc de bien régène. Mais c'est dommage, la ping je la trouvais pas dans mon stuff. J'étais en train de spammer, je faisais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il y avait... Avec mon 3 et pas en smartcast, il y a que le 1 et le 2 qui sont en smartcast. Donc la ping s'est pas activée. Et je me disais, mais c'est pas normal. Et je pense que j'allais mourir. Top ulti, bro. What the fuck, qu'est-ce qu'il raconte? What the fuck? Non, j'ai pas envie de flash out, j'étais condamné. J'allais ping le Drake. Pas très grave, la Lucine qui est venue top. En attendant, ils ont fait la différence bot. Cap solaire contre Akali, ça peut être bien, ça fait énormément de dégâts. Le problème, c'est que j'aurais pas d'RM et j'aurais pas de bois, si on va le faire. J'ai toujours ma pink. Donc là c'est bien, même si je meurs c'est pas très grave, hein. Je meurs toujours à un bon timing. Oh, ouais, c'est bon. Je meurs toujours à un bon timing et en fin de compte je fais perdre du temps à quelqu'un. Là j'ai pas eu besoin de par exemple de Zac. Il est venu, il a claqué son ulti, il a tout claqué au top. Donc au final c'est pas très grave. La Kali elle se retrouve pas feed. On va juste forcer ma tour. Mais moi je vais faire la même chose.
Je vais aller forcer la sienne. Hello, hein. Donc je vais aller terminer. Par contre, le GP. Non, ça a l'air de descendre vers le bot. Ah, c'est chaud, botlane, ils sont vraiment outplay là. Ça fait beaucoup trop de morts. Ouais, 2-6, 2-2. Ils sont. Ah non, pardon. 1-1. Bon, ça va, la Tristana qui joue plutôt safe. Elle a pas farmé, mais bon, moi, elle évite de mourir. Fallait que je le dise pour que ça arrive. Ah, c'est tendu. Je vais aller push le mid. Oh, c'est chaud. C'est chaud quand même d'être déjà à la. Oh lol. Pourquoi il a fait ça? C'est chaud quand même d'être déjà à la T2 à 14 minutes. Le problème, c'est ça le problème quand on est top laner. On n'a pas réellement l'impact sur toute la game. Là, je pouvais pas faire mieux sur ma gestion de lane. Après, c'est pas de ma faute si GP voulait vraiment pas gank top. Mais je pouvais pas faire mieux. Je pouvais pas avoir un plus gros impact sur la game qu'actuellement. Ils ont beaucoup push bot, hein. Normalement ils devraient être punis. C'est chaud. Ok. Kali qui décale. De toute façon, si la Tristana, on arrive à la feed late game, hein, c'est exactement comme la game de tout à l'heure. Late game, si on se regroupe, moi je vais vraiment pouvoir faire le mur. Lee Sin, il va pas deal de dégâts sur moi. La Kali, il va pas faire grand chose. Et le GP aussi, ça va être vraiment la MF à réussir à la zoner. Mais sinon, franchement, là j'ai peur de personne au niveau du DPS. Il a rush des boots, rend 3 en plus, Lee Sin, donc il est un peu en retard son stuff. Après, il a quand même à 5-1. Il n'y a pas un énorme farm, il a beaucoup bougé. D'ailleurs, les farms sont assez dégueulasses là. 15 minutes d'avoir 75 CS. What the fuck. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, sur cette game là, il n'y a personne qui a farm. Jump, bro, jump. Ça a rien de suivre. Faut reculer, faut jouer safe. Oh, allez, le catch qui a été fait, Vals ulti. Oh, le flash qui est un peu raté là. Comme c'est que la Kali qui va arriver, elle va bien ramasser. Ah, la cache qui passe pas. Allez, je suis en train d'arriver. Tenez bon, les amis. Bon, c'est bien. Le passif OP de Zach. Là, on peut fight. Hein. Ah, si ça a touché, oh, ça aurait été trop beau. Bien joué, ça. Si la cage, elle passe. Oh. Voilà, cette fois-ci, ma ping, je vais pas la rater. Ouais, c'est bien, on va prendre le Drake. Ça, c'est un bon move, ça. C'est vraiment un bon move pour nous. Gros taf de la part de Lux qui a fait quand même un beau catch. Derrière, on prend entre guillemets un ace. Il va vraiment l'empêcher d'arriver jusqu'au Drake. Ah lol, il est mort à cause du. Il est mort à cause du Drake. My bad. Mais bon, je voulais vraiment pas qu'il le caisse quoi. C'est dommage qu'il est pas mort par le Drake, il est mort par GP vu que GP a touché avec l'ulti, sinon il serait mort juste par le Drake. Ça aurait pas été grave du tout. Mmh.
Je vais te faire un Randwin, vu leur composition. Le Randwin, il va proc sur GP, il va proc sur Lee Sin, il va proc sur Akali, il va proc sur MF. Donc, vaut mieux que je parte sur un Randwin que sur une Warmog, là, sur ce... Vu un petit peu le jeu, leur composition. Le Randwin va être assez efficace. Bien sûr, laisse le Bual Lux. Ne le prends pas, bro. Elle a fait un bon catch. Après, franchement, vu notre composition, si elle catch la Lux, c'est tout bénef, quoi. Ils ont pas de réel hard engage de leur côté. C'est pas Licide qui va nous engager quelque chose. C'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Allez, le stun qui passe pas, mais elle court trop vite, quoi. Oh, c'est dommage, il l'avait slow. Ah, il l'avait slow, j'y ai pas cru. Par contre, là, je bait bien, je meurs pas en plus. Je peux pas faire mieux, les gars. Faites au moins un kill, s'il vous plaît. Mais là, c'est my bad, parce que j'avais oublié le slow de Zach. Mettre là. On va se cacher. C'est le support qui va kill. Oh. Ah, je lui donne mon boule. Je lui donne mes fesses. Fais gaffe par contre là. Go l'aider. Oh là, il a raté John. Go l'aider. Ah. Il l'avait pas vu le. Je pense que. Je sais pas. Je pense qu'il l'avait pas vu. Bon, c'est pas très grave. Là, il va falloir se regrouper. Là, c'est le timing. On arrive à 20 minutes de jeu. On a encore 2-3 minutes si on veut pour split. On a pris les deux T1. On va pouvoir se regrouper pour aller au mid. On a eu un Drake. Donc là, on est assez équilibré au niveau des golds. Le seul problème, c'est qu'eux, ils ont des héros pour... What? Eux, ils ont des héros pour catch. La Tristana en plus elle est à combien là? 111 CS. C'est assez facile de catch une MF. Par contre là elle est en train de bait hein. Ça c'est totalement un bait. En train de split push le GP, il est embêtant. On a aucune ward aussi. Tralazir elle est partie AP. Oh les dégâts! Dégâts du machin, mais là il va se prendre une Akali. Non, même pas. Elle est là-bas l'Akali. Regroupe 5v5. On a tellement de dégâts. En plus, la Zira elle est AP. Regardez le stuff de la Zira. Elle est limite mieux que celle de la Lux. C'est le Rabadon quoi. Cette tour là, s'il y a un catch de luxe, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou ce Zach. On défend. Ce Zach est fou. Ouais, on peut défendre à 3 assez facilement. Zira et Lux, c'est des héros qui ont la capacité à... Fais gaffe par où tu passes. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oh, the fuck, j'arrive pas à la stun. C'est bon. Vous allez voir ma tankiness. Ouais non, j'aurais dû flash out. Mais là l'engage était bad quoi. On n'a pas de ward, on n'a pas de ping surtout contre la Akali. Donc elle a vraiment pu temporiser sous la zone.
Je vais l'acheter au Piala Pink. Le problème, c'est qu'il me faut le Randwin assez fast. Ouais, j'ai vu qu'il joue AP. En tout cas, le Zac, il a l'air d'être vraiment efficace. Ah, ça suffira peut-être pas. Il va voir son Q spell. Est-ce que ça va toucher? Non, ça touchera pas. Il va voir son jump. What the fuck? Ah, il a fail. Il va mourir. Bon, c'est des actions solo Q, ça. Il a pas trop envie de gagner, je crois, lui. Il va perdre son passif. On va perdre le dragon aussi. C'est assez étonnant de voir quand même ce genre de niveau. Je m'attendais quand même à beaucoup plus qu'en diamant. Là, le problème, c'est qu'on leur donne encore plus d'avantages. On avait juste besoin de se regrouper. Et malheureusement, le problème de la solo queue, c'est assez compliqué de créer un team play. Mais bon, de leur côté, ils font la même chose. C'est trop sur trop, quoi. Un coup on trop, un coup ils trop. Nous trop on. Flash, c'est bien ça. Allez, flash. Flash gratuit. Il va sortir par Akali, lui. Tof. Il faut combien là pour le Randwin? 400 gold. Wow. Danger, danger au mid. Tu risques de te faire tuer. Donc là, je farme plus. Hein. Ça fait 10 minutes que j'ai pas pris. Une wave. C'est le problème, c'est le fait que là on fait rien. On pourrait tellement se regrouper, forcer la tour mid, attendre un cache de luxe, un petit one shot, on engage derrière. Mais. Le problème aussi, c'est qu'on n'a pas de ward, donc je comprends que les gens sont un peu effrayés d'avancer. Et là on les laisse split push. On les laisse tellement split tranquillement. Là je vais me faire coincer par un Lee Sin et une Akali. Ils ont pris notre aide. Hein. Ils vont tellement, mais c'est tellement logique. Mettez le full combo, de toute façon là vous allez prendre tellement cher. Si au moins d'attraper quelqu'un. Mais c'était tellement logique quoi. C'est bizarre. Juste se regrouper à 5. Le problème c'est que ça meurt en boue. C'est assez compliqué de créer quelque chose avec, avec eux. Ils overextend à mort quoi. J'ai pile poil pour le Randwin. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez la patate. Nice. Ça c'est parfait. Là faut fight là. Là faut engage quelque chose. Coupable. Mais ils viennent pas, enfin la Tristana vient pas. Et au final, on se retrouve en fait en 5 contre 4. On est obligé de faire des flash out. Ça aurait pu tellement être plus simple. Et ça se prend pas la tête.
No. 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 Ouais, qui recule. Ouais, ils ont pas envie de jouer, pas envie de win, c'est pas très marrant ce genre de game. Où là, les gars se donnent pas à fond, entre guillemets, quoi, même pas un minimum. Ça split trop de notre côté. Là maintenant, bon, on a pris trop de retard. La MF, c'était le seul problème, hein, je vous l'avais expliqué au tout début. Le seul souci, c'est si on n'arrivait pas à gérer en fait le problème MF. Le problème, c'est que là aussi, on n'a pas pris les tours quand il fallait. Cette tour, on aurait pu la prendre, mais 10 fois. Et aussi, le problème, c'est que bah, la Lux, elle n'utilise pas sa possibilité de catch vu qu'on n'est pas regroupé. Et au final, c'est à chaque fois elle qui se fait engage ou la Zyra. Donc on n'a pas ce côté zoning qu'on devrait avoir avec Lux Zyra. Et on n'a pas ce côté front lane avec moi et Zac, vu qu'on n'est jamais à 5. Et contre eux, ça aurait été tellement simple de mettre ça en place. Là maintenant, 11-3 sur MF. Je crois qu'il me découpe. Hein. En deux ou trois boulets de canon. Mais la game est assez moche, quoi. Y a pas d'intérêt en fait à jouer ce genre de game. Je préfère perdre une game où tu sens que les gens se battent, où y a de l'action. Mais là, ça fait genre 5 minutes que je les attends, que je farme pas, je fais rien. Vu que je peux rien faire, je suis tanky quoi. Je suis pas Kha'Zix comme tout à l'heure où je peux essayer de faire catcher quelqu'un avant. Là, malheureusement, j'ai pris un héros pour pouvoir tanker. Et ils veulent pas créer de team play. Et le problème, c'est que avec ce genre de composition qu'on a, on est censé jouer à 5. Tristana, faut qu'on la protège, sinon ça vaut rien. Lux, faut qu'on protège et faut qu'on se mette bien devant pour qu'elle puisse poser son poke. Mais si tu prends tous nos héros un par un en 1v1, on perd tous quoi. Akali en 1v1 elle me démonte maintenant. La MF elle démonte la Tristana en 1v1. Lee Sin il démonte la Lux. Donc c'est soit on est 5 et on aurait pu gagner, parce que là maintenant même à 5 je pense que ça va être très compliqué. Mais soit on était 5 avant et on aurait pu gagner assez facilement, à part grosse erreur. Ou soit on continuait de split et eux pouvaient snowball leur petit avantage d'early game. Et là vous regardez les kills, l'écart ne cesse de se creuser entre nous et eux. Les tours aussi. Après voilà, on a une Zyra AP, donc pourquoi pas sur un bon teamfight essayer de retourner la chose. D'un côté là, Kali peut se faire one shot, hein, combo de Lux et Zyra. Même c'est que là, si Akali par exemple est bot. Après d'un côté j'avoue qu'il n'y a pas de ward, donc c'est assez stressant pour tout le monde. Au niveau du déplacement. Genre là on engage, on hésite à suivre parce qu'il y a peut-être tout le monde derrière. Ils sont peut-être en train de faire un Drake en camouflé, enfin un baron pardon en camouflé. On ne sait pas. Ouais bah voilà. Maintenant on le sait. Il n'y a plus rien à perdre. Hein. Dommage. Mais bon, on mérite notre défaite, donc au final, il n'y a pas de quoi être dégoûté, quoi. On mérite vraiment notre défaite. GG à eux. C'est assez compliqué, hein. En plus, j'ai quand même fait l'effort d'essayer de call un petit peu, de leur expliquer qu'il fallait se regrouper. Malheureusement, on peut pas faire plus en solo queue. Si les gens ne sont pas d'accord pour créer quelque chose, une cohésion, on peut pas les forcer vu que c'est de la solo queue en gros. Et donc là, c'est vraiment le seul moyen de gagner, c'était de se regrouper assez rapidement. Surtout qu'au top, j'avais fait la différence. Donc là, Kelly n'était pas encore un grand danger. Je pense qu'il faudrait voter oui là. La game est perdue. Bah ouais, t'es à la fin peut-être. Non, même pas. C'est dommage là, 35, on a le temps de faire une arame en plus.
J'ai envie de faire une Aram en plus. Donc ce serait bien qu'elle se termine cette game. Je vous rappelle, à 23h, les Yellowstar hein, qui stream en direct de la Gaming House Fnatic en Allemagne. C'est à 23h, donc juste après. Là, nous, de toute façon, on n'aura pas le temps de relancer une ranked. Donc soit ça se termine à 40-45 et je peux lancer une Aram. Soit malheureusement, ça dure un peu plus longtemps et je pourrais pas. Donc je serais obligé de faire un peu de questions-réponses en attendant de... En attendant l'heure de Yellowstar. Il faudrait que la game se termine. De toute façon là elle est perdue. Hein. Si on voulait faire la différence c'était avant. Oh je vais laisser finir. Donc comme quoi, hein, franchement, des bad games, il y en a vraiment à tous les elos. Hein. Là, on est quand même diamant 1, on est censé être la ligue la plus haute avant vraiment le vrai jeu, donc le challenger. Comme quoi, franchement, il y avait des games en platine sur la Smurf qui sont vraiment 10 fois plus intéressantes que ça. Donc franchement, la différence de niveau, elle est pas énorme. Allez, on va voir, on a perdu combien de points quand même au niveau de l'écart. Je pense que je perds moins que ce que je gagne. Donc, je devrais être vers 10 points. Ah bah je suis à... Non, je suis pas à 13 points. Hein. Pas possible. Il y a eu un bug. Ouais, je suis à 10 points. Je gagne 6, je perds 3, donc au final je finirai quand même par monter si je respecte mon ratio victoire-défaite. Il est 36, je vais lancer vite une Aram. Comme ça on va kiffer un petit peu là, on va kiffer un petit peu entre nous. Hop. Centre 2. Back by VS Juver. Je vous demandais de faire très très vite parce que comme ça on va pas dépasser sur le créneau de Yellowstar qui lui est quelqu'un de très pointilleux sur l'horaire. Aléatoire. Hop. Mot de passe. Je sais ce que je vais mettre. J'ai un mot de passe du feu de Dieu. Hop. Le mot de passe qui a été mis, c'est ce qui nous a manqué durant la game précédente pour gagner. C'est ce qu'il a manqué sur cette solo queue pour arriver à gagner cette game. Donc qu'est-ce qui nous a manqué? Je vous dis à tout de suite juste après ça et puis on partit pour une petite arme. Et de retour, ça s'est rempli instantanément. Le mot de passe était bien évidemment teamplay en minuscule. Mais ça s'est rempli, mais waouh, instantanément. On a une team de fou. J'ai vu les pics, j'ai dit ok, ça va pas être équilibré. On a quand même Maître Hui qui est assez fort, qui est même très très fort, qui fait partie des meilleurs héros
en Aram, on a Fiddlestick qui fait partie des meilleurs en Aram, on a Elise qui est vraiment correct, Jarvan aussi parce qu'il a quand même une capacité d'engage assez simple, et on a Shen qui est moyen mais qui peut trouver son compte dans notre équipe, alors qu'en face ils ont Olaf qui est ok parce qu'il a quand même la hache pour mettre la pression, Diana aussi qui est assez bien en Aram, Lucine qui est moyen, Kog'Maw au moins ils ont un carry AD donc c'est leur seul avantage, et Garen qui est moyen aussi. Donc vraiment on a une équipe de fous, normalement ça devrait se finir assez vite et ça devrait se finir dans notre sens. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon j'ai regardé 2-3 petits trucs sur l'IRC. C'était plutôt un bon stream quand même, hein. Le fait c'est que j'ai un peu mal à la tête et puis l'horaire de stream 21h, 23h elle est pas géniale à la Gaming House. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Donc j'étais pas dans les meilleures conditions. Mais en tout cas c'était plutôt un bon stream, une victoire, une défaite. Là on a le temps de faire notre petite Aram, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une Aram. À chaque fois je finissais les games sur le créneau parfait. Donc ça fait plaisir là de refaire une petite Aram. On va faire un start double Doran. Allez on est parti. Oulala. Ah. Ça c'est pas cool ça. La Elise qui s'est fait démonter. Ça tryhard. You kill DC. Port. Ils ont tué un déco. Bon, je pense qu'elle va se recouvrir assez rapidement. Et puis au moins ça équilibrera. Hein. Ça équilibrera. Ça équilibrera le niveau parce qu'on a quand même une équipe de malades. Au niveau des pics. Bon, maître IAP. Ah oui, c'est vrai qu'on est level 3. Mange. Et en plus de ça j'avais un petit peu mal à la tête donc voilà. Et puis demain les LCS, je vous rappelle hein, soyez là 18h-22h demain, je serai en compagnie Twix au cast. Donc ça va être vraiment vraiment sympa, des gros matchs en plus demain au niveau des niveau du classement, possibilité de gratter des places pour certaines équipes. Donc vraiment soyez là demain et après demain tout le week-end LCS Europe. Allez, on devrait leur mettre la pression là. Tiens, ça a touché que les creeps. Ça a touché que les creeps. 23h Yellow Star aussi. Hein. 23h Yellow Star. Oh mon dieu, c'est un. Supportable. Quand vous avez mal à la tête, c'est la mort. Oh, les skis du silence, c'était tellement beau. Oh, oh lol. Bien joué la Diana. Bah, attendez que je prenne un peu de stuff avec Maître Yi, je vais pouvoir faire des penta. Ça va être la fête. Allez, jump. 3 minutes 10, bien évidemment, les soins. On va essayer de zoner. Non, impossible de prendre le leurre. Ah, les viewers commencent à être calés au niveau de ça. C'est la cam qui est orange. Je trouve que ça fait un bon teint de peau, moi, cette petite cam orange. Ça fait retour de vacances. C'est vrai que c'est Casimir. En plus, avec un t-shirt bleu, ça passe bien. Ça passe bien. Alors le stream lag c'est pas normal, je pense que c'est dû à ta connexion. Ouais, je fais gaffe à l'heure hein, parce que dans 15 minutes, Yellow Star. Oh. On va courir, hein. Là, son. Là c'était un bon fight ça. Courons, courons, fuyons, fuyons, fuyons. Ah, j'ai même pas eu la 6, c'est dégueulasse. J'ai même pas eu la 6. Méchant Jarvan.
Oh, ce bait. Oh lol. J'ai cru que c'était l'araignée qui allait exploser, j'ai failli flash Q-spell. Mais dès que je me suis rendu compte que c'était juste une petite araignée qui servait à rien. Ah, il le joue AP son Kog'Maw, ça c'est réglo. Ça fait qu'on n'y a aucun Kariadé. Les Kog'Maw AP ça met vraiment la pression. Oh, c'est chaud nos barres de vie. Ah, cours trop vite. Enfin, d'un côté, j'en ai pas besoin, je peux me régène moi. Mais je pensais que vraiment que ça allait être. Qu'on allait être vraiment bien là. Peut-être qu'il nous faut nos level 6. Mais ils ont l'air de bien tenir en tout cas, de leur côté. Oulala, level 6. Il a fait son erreur le Garen là. Ça fait vraiment la pression Kog'Maw AP. Ah, je voulais l'emmener sous la tour. Oh là, l'ulti de... De Fiddlestick qui s'est fait cancel. Il me fallait un peu d'AP là. Et bah, tu te rappelles du 1 contre 1? Ouais, c'était assez marrant. C'était assez drôle. Tu as un contre 1, de toute façon, des fois ça fait vraiment du bien, merci. Faut un petit peu de réduc CD là sur mes Q spell, c'est beaucoup 11 secondes. Beaucoup trop 11 secondes là. Ah, oh, la pression du Kog'Maw AP. Ah, j'ai pas eu le temps d'activer mon Z. De toute façon, Janna me le cancel. Allez, on va pouvoir remettre la pression là de notre côté. Rabat donc Zonia. Rabat donc Zonia. Zonia is better. Bah, je vais vous montrer ma vraie couleur. On m'avait trop flame. Voici ma vraie couleur. On voit tous mes défauts maintenant. Non, voici la vraie couleur de la caméra, je pense. C'est vrai que c'est orange, quoi. Mort, je viens de voir là sur le retour du stream. C'est vrai que c'est quand même mieux comme ça. Hein. J'ai l'air un peu moins malade. Oh là là, il est fâché. Qu'on leur mette la pression quoi, ils sont trop tanky. Pourtant ils ont pas de MR. Et bientôt leur soin. Voilà, bien joué. Le Shell l'a récupéré. Ce qu'ils mettent.
Et alors, soin bientôt. Oh, c'est chaud ça. Oh, ok, c'était pas si chaud que ça. Oh, le combo quoi. Bam. Oh, ça a fait tellement mal le combo. On leur a mis tellement cher. Faudra attendre l'ulti Fizzle Stick pour pouvoir fight. En tout cas, moi j'ai beaucoup de gold là. Je vais essayer de temporiser le temps d'avoir aussi le Rabadon. J'étais obligé de claquer mon ulti là. Voilà, bah non, ce sera pas pour maintenant. Là, le wow, le Garen qui s'est coincé. Il a été trop greedy. À moi de faire quelque chose là. 28 secondes, mon ulti. Ou pas. Oh, c'est hyper chiant. Ce qui me met le cog. Tenter de me mettre un petit ulti. Allez go. Viens là! Pas de mana. En tout cas, le combo, combo il fait tellement mal. Ah non, il a pas, il est pas tombé. Ah si, il s'est fait avoir. Je voulais qu'il tombe dans le panneau en voulant m'attaquer parce que j'étais sous la tour. Avec le petit coup d'Isonia. Ouais, pourquoi je max le E avant le Z, je sais pas, parce qu'avant on faisait comme ça. Bon, je suis pas un grand joueur de maître Yi, hein. Peut-être que depuis qu'il y a eu le nerf sur le Z, faut peut-être maxer le Z. Je sais pas, je... ouais, c'est vrai que là c'est totalement bête de ma part de maxer le E, c'est juste un réflexe à avant. Oh non. Moi tranquille. Hop.
J'ai même pas fait exprès, je regardais même pas. Le... Mais j'ai vu mon nombre à la fin, un truc de fou quoi. C'est le fameux cristal. What the fuck? Maître I. Oh, il m'a laissé le son. Ah, j'ai le Q-spell qui passe pas, Brezhonia. Je pouvais pas mieux zonia que ça, hein. J'étais vraiment à 1 HP. Oh, Fiddlestick, c'est tellement puissant. C'est tellement fort, Fiddle. C'est chaud. Qu'est-ce qui pourrait être sympa, un DFG? Je suis Rabadon DFG. Ça va être un. Je vais envoyer du lourd. C'est contre-fantôme! Pas besoin des soins. Oh, il est parti in. Ah, ça a pas touché. Ah, si, ça a touché. Cette protection d'équipe que je me tape. Garde du corps. Oh là, ça m'a mis en CD mon Q-spell alors qu'il est même pas passé. C'est quoi ce bug? C'est dégueulasse. Mon Q-spell il est même pas passé, ça me l'a mis en CD quoi. Juste parce qu'il a flash out le mec. Vous m'excuserez, mais j'ai pas la volonté de venir. Attendez, Lise. Oh, j'ai trop mal joué, j'avais récupéré mon coup spell en plus. Bon, j'ai trop mal joué là. J'aurais pu te faire tellement mieux. Allez, il va être l'heure pour Yellowstar de reprendre. Donc je vais attendre qu'il soit ready. Oh, beau teamfight là, il y a moyen. Go, go. Oh, les méchants garçons. Ils m'ont full focus quoi. Adieu Fiddle. Cours. Courons. Les well? Certainement. Un allié a été tué.
Allez, j'étais pas sur le jeu. Va me vouloir. Ah, oh, il m'a touché. Et bah, c'était un bait. Le bait total. Il s'est fait avoir. Est-ce que ça va suffire? Non. Non, j'ai pas envie de go in. Quoique, il n'y a plus le silence de. Il n'y a plus son silence en fait là. Ok, il regarde le. Il regarde? Il me laisse finir ou. Ou il veut que je lui lâche? 5 minutes? Ok, le star qui est prêt. Tu devrais pas tarder à reprendre. Yellowstar qui est ready. J'essaie de voir ce qui est le mieux pour lui s'il veut que je finisse la game pour qu'il prenne un peu plus de temps pour se préparer. Parce que si il est chaud pour prendre direct. En tout cas, il va vous montrer du niveau challenger, hein, leader challenger. Donc assez intéressant. En plus, il explique vraiment bien ce qu'il fait en tant que carry AD. Donc c'est très très intéressant. Je vous invite vraiment vraiment de suivre Yellowstar jusqu'à, bah, jusqu'à 2h du matin en plus. Donc 3h avec Yellowstar. Il a gardé son ulti rank pour moi. De toute façon là la game est terminée. Ace. Yep, vous inquiétez pas, hein, c'est une question de minutes. Ouais, c'est bon, c'est terminé. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que la prochaine fois sera dans des meilleures conditions. Un peu moins de bruit, un peu plus tranquille. Mais normalement, voilà, c'est le créneau 21h-23h à la Game Gao, c'est toujours assez compliqué. Si je suis pas au studio la prochaine fois, au pire, j'irai au studio pour être vraiment posé. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée en compagnie de Yellowstar. Je vous fais d'énormes bisous. Et prenez soin de vous, franchement. Et enfin, oui, c'est important. Et surtout, bah, je vous donne rendez-vous dès demain. Dès demain, ouais. C'est bon, je vous donne rendez-vous dès demain. Je connais pas mon nom. Bah, dès demain pour les LCS, très important. Ok. Donc, je vous donne rendez-vous demain et après-demain pour les LCS, très important, Europe. Et sur ce, bah, gros bisous à tous. Et soyez là demain, très important. Bye bye.